Dans ce magasin d'Aubervilliers, Marie Fauzi vend des abayas. Ces robes longues, qui selon elle, n'ont rien de religieux, mais qui s'apparenteraient plutôt à un vêtement traditionnel et culturel. Cet abaya, par exemple, on peut voir que c'est super coloré, avec plein de strass, ça attrape toujours la lumière dès qu'on marche. Et donc, ça ne pourrait pas rentrer dans les normes. Oui, c'est ample, mais ça attire le regard, ça attire l'attention. Et ce qu'on ne cherche surtout pas. Franchement, je ne vois pas en quoi ça pourrait être un signe religieux. Mais dans sa boutique, elle a aussi d'autres modèles, moins colorés et plus stricts. Cette abaya, par exemple, elle peut passer comme une abaya religieuse parce qu'elle est hyper longue. Donc on voit qu'elle va cacher les chevilles. Elle a quand même les manches qui sont longues aussi. Et les couleurs ne sont pas très vives. Donc ça passe très bien, ça cache le corps et c'est ça ce qu'il faut. Plusieurs styles pour une tenue qui fait polémique. Faut-il voir dans ce vêtement un signe d'appartenance à l'islam? Où se situe la frontière entre la religion et le communautarisme? Pour cette vendeuse, cette robe longue serait devenue un accessoire de mode, rien de plus. Une fille, elle voit sa copine, « Ah mais c'est bien le truc que tu portes, ah, j'aimerais bien moi aussi essayer une fois. » Et là, c'est pour ça qu'on le voit de plus en plus dans la rue, surtout avec les nouvelles générations. Un phénomène qui prend de l'ampleur. En juin dernier, nous nous étions rendus dans la banlieue lyonnaise à la sortie de deux lycées. Devant les grilles de ces établissements, un flot ininterrompu d'élèves et de nombreuses jeunes filles vêtues d'une abaya nous tenaient le même discours. Faut que ce soit large, faut que ce soit que ça cache les chevilles, que faut que la fille elle soit couverte, qu'elle se cache. Pour nous, on voit pas le mal dans une abaya, il n'y a rien. C'est une robe qu'on porte tous les jours. Sur 30, on doit être 16. 18. Ouais, 16, 18. À quoi ? Sur 30 élèves, à porter des abayas, même des pas voilés. Hein. Une vingtaine, on est, au moins. Il y a quelques profs qui nous regardent mal, ou des trucs comme ça. Il y en a, mais après, il y en a aucun qui a osé parler. Hein. Car officiellement, dans les textes, pas d'interdiction claire de l'abaya. Les chefs d'établissement devaient juger du caractère religieux ou non de la tenue de leurs élèves et arbitrer seuls pour l'interdire. Une responsabilité souvent intenable pour ses proviseurs. Si c'est tous les jours, comment voulez-vous qu'on fasse? Est-ce qu'il faut se poster à la porte du lycée et regarder si t'es l'élève? Un jour, elle met une robe comme ci, le lendemain, une robe comme ça. D'une part, ça, c'est absolument impossible. Ensuite, si vous avez beaucoup de situations, vous imaginez bien que c'est extrêmement chronophage. Est-ce que les CPE et les personnels de direction, ils vont arrêter de faire le travail de pilotage de l'établissement et de suivi de la vie scolaire pour uniquement s'occuper de vêtements? Enfin, c'est absolument intenable. À quelques jours de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale a donc tranché. Et désormais, la règle est claire. Notre école est testée continuellement, nous le savons. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes, face parfois aux coups de boutoir, aux attaques, aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair, et j'ai eu l'occasion de le dire, l'abaya n'a pas sa place dans nos écoles, pas plus que des signes religieux. Pas de négociation envisageable. Le ministère de l'Éducation nationale a prévu d'envoyer un ensemble de textes sur la laïcité aux chefs d'établissement et au personnel de l'éducation. Selon une note des services de l'État, les atteintes à la laïcité ont augmenté de 120% entre 2022 et 2023, 150% pour ce qui est du port de signes et de tenues religieuses.